Le meilleur souvenir de César que j'ai, c'est quand je l'ai eu. La petite Charlotte Gainsbourg, mais non, mais qui était toute petite et qui était tellement bouleversée et submergée par l'émotion, qui était cachée comme ça en ado derrière ses cheveux. Bon, c'était chouette. C'est pas encore fini, c'est déjà génial jusque-là. Mon meilleur souvenir de César. Mon meilleur souvenir de César, c'est quand j'ai été nominé, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. C'est quand j'ai été nominé, mais malheureusement, je n'ai pas gagné. Souvenir de César reste Annie Girardot. J'ai ressenti énormément d'émotions et je trouve que oui, c'est l'un de mes plus beaux moments. Alors moi je suis écossaise, donc les Césars, j'ai pas grandi en regardant les Césars, j'ai grandi en regardant les BAFTA. On regarde ça en Angleterre et en Écosse. Mais les Césars, que voilà, qui sont magnifiques, une très belle soirée. Moi je me souviens de l'année dernière, Pierre Ninet qui gagne le César du meilleur acteur. Parce que Pierre, c'est un ami à moi, c'est l'homme qui m'a donné mon premier job en France dans le casting. Et du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était magnifique de le voir gagner ce prix-là, de voir son discours. C'est quand je l'ai rencontré. C'est quand je l'ai eu, mon César. Les deux fois, quand j'étais petite et quand j'étais un peu plus grande. Tu fermes les yeux.